Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est un monde qui prône l'excellence et être excellent peut nous ramener au fait d'être meilleur que les autres, avoir une meilleure situation, être plus beau ou plus belle, avoir un meilleur travail, être mieux rémunéré, avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, même avoir de plus gros diplômes, de meilleures moyennes, être mieux apprécié aussi, être plus aimé, si on peut le dire comme ça. Et cet état de fait nous amène à vivre dans un stress constant. Et si nous ne prenons pas garde, peut nous amener à ne pas devenir la meilleure personne, la meilleure version de nous. Attention, je ne dis en aucun cas qu'il faille ne pas être une personne qui a de la compétitivité ou alors de ne pas être une personne qui veuille se surpasser. Là n'est pas la question. Il s'agit d'être en compétition avec soi-même et non avec les autres. D'ailleurs, il est fort peu probable que vous soyez meilleur que les autres en tout. N'est-ce pas que nous avons en général chacun des qualités et des défauts. Et nous avons également des talents que les autres n'ont pas. Et les autres ont des talents que nous n'avons pas. Le fait de se comparer aux autres peut nous amener très souvent à oublier quelles sont nos qualités et quels sont nos atouts. Et à envier, à vouloir les atouts des autres en fait, qui ne sont pas forcément nos atouts à nous et qui ne vont pas forcément nous permettre d'arriver à la meilleure version de nous. Je suis désolée de le dire, mais vous ne pouvez pas être meilleur que tout le monde dans tous les domaines. Il ne s'agit pas de ne pas être excellent ou de ne pas être bon dans tous les domaines, parce que n'est-ce pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Alors je ne dis absolument pas qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines, bien que ce soit rare, mais je dis qu'on ne peut pas être meilleur dans tous les domaines. C'est différent, je ne sais pas, il y a une nuance quand même. En fait. Si vous prenez l'habitude de vous comparer aux autres, cela peut vous amener à être antisociable. Également, le fait de se comparer, ça peut également entraîner des complexes, que ce soit des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité. Déjà, les complexes d'infériorité, c'est le fait de se sentir inférieur à quelqu'un d'autre, quel que soit le domaine, et sans preuve vraiment que ce soit le cas. Avoir le complexe d'infériorité, c'est différent de savoir que quelqu'un est plus performant que toi. Ce n'est pas cela. Il s'agit du fait que tu ressentes le fait d'être inférieur à plusieurs personnes sans aucune raison valable. Le complexe de supériorité, quant à lui, cache en fait le complexe d'infériorité. Quand on se sent inférieur dans plusieurs domaines à des personnes, on a tendance à vouloir se surélever et à vouloir forcément être supérieur dans d'autres domaines. Le fait de se comparer aux autres peut nous amener également souvent à oublier nos objectifs. Parce que en fonction de l'objectif que tu as une manière à toi de travailler tes qualités, tu as besoin, pour atteindre tes objectifs, tu as besoin de telle ou de telle qualité, tu as besoin de te comporter de telle ou de telle manière, tu as besoin d'être une personne précise, n'est-ce pas? Cependant, si tu te compares aux autres et que tu veux ressembler forcément aux autres, cela veut dire que tu vas cultiver des talents ou alors tu vas avoir des atouts qui ne sont pas ceux qu'il te faut pour réussir. Dans le domaine que tu veux, tu vas réussir dans le domaine des autres. Tu vas être quelqu'un d'autre. Et être quelqu'un d'autre, très souvent, ça rend malheureux. Et même se comparer, tout simplement, ça rend malheureux. Parce que qu'est-ce que tu ressens quand tu te rends compte que tu te compares? Bien, peut-être que si tu te compares et que la personne est moins bien que toi, a moins, je ne sais pas, de choses que toi, tu vas te sentir bien, peut-être. Mais imaginons que tu te compares et que tu trouves la personne supérieure à toi, meilleure que toi. Là, c'est compliqué, je suis désolée, ça fait mal. Ça blesse, ça fait de la peine, ça attriste. Et pour être heureux, il faut vraiment, vraiment éviter de se comparer aux autres. Je pense qu'il faut tout simplement s'apprécier soi-même et apprécier les autres, apprécier leur qualité. Et apprécier vos qualités. Surtout garder un esprit que
personne n'est mieux que vous. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si il vous est arrivé ou si vous arrive encore de vous comparer aux autres. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.